mercredi 2 novembre. Je vais mettre plus près parce que je parle pas trop fort, je suis dans la cour. Voilà, donc on a passé une bonne nuit. On est levé à 5 heures. Mais voilà, ici, la grande auberge, c'est pire qu'une prison. Tout est fermé pendant la nuit. De 22 h à 6 h du matin. Donc je suis sorti fumer une cigarette et je me suis retrouvé dehors, enfermé. J'ai dû sonner pour qu'on vienne m'ouvrir. Voilà. Les locaux avec le café et compagnie, c'est pareil, c'est pas avant 6 heures. Ici, il fait 4 degrés, donc on sent quand même qu'il fait bien frais. Et j'ai pris un petit déjeuner. Ils ont un accord avec un petit restaurant là juste à côté. Donc je vais aller déjeuner à 7 heures. Et puis vers 8 heures, normalement il fera clair et je pourrai repartir. Et je ferai plus la couillonnade d'hier, c'est-à-dire que je vais essayer de suivre des Coréens ou un truc du style, pour être certain de ne pas me gourer sur mon chemin, parce que voilà, je suis pas un champion du monde là-dedans. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. Allez, voilà, je suis plus ou moins à 16 km. Donc il y a encore 4-5 km pour arriver à Zoubiri. Après, j'irai bien en fonction de mon état et tout le reste. Juste devant moi, il y a les deux Coréens que j'avais rencontrés dans le train entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port. Marchant du haut avec un petit traîneau. Ils sont bien courageux. Ils sont fous, ces Coréens. Et là, qui courent carrément sur le chemin. Ah ben, je sais pas comment il faut. Presque midi. Je dois être à 16 km. Donc il m'en reste 4 normalement. Enfin, ça descend. Parce qu'on a quand même eu quelques belles montées encore. Je vous le dis. Voilà. Mais les jambes, je suis quand même vachement étonné par rapport à ce que j'ai pu faire hier. Parce que franchement, j'ai puisé très loin hier pour finir cette étape. Je pense d'ailleurs que ça va être une leçon pour beaucoup. Je suis certain qu'il y en a beaucoup qui doivent abandonner après la première étape parce que j'ai... C'est tuant. À moins que du côté de Roncevaux, la montée et la route Napoléon, c'est peut-être plus prononcé, mais c'est... Allez, on gère peut-être différemment son effort. Mais là, hier, crapahuté au milieu de nulle part. Et sans savoir où tu arrives, enfin tu sautes. Plus les 2-3 fois où je me suis paumé, donc forcément, j'ai perdu au moins au bas mot 1 h 30. Sur ma journée, enfin que soit la première étape est terminée, la deuxième étape est terminée dans 4 km. Si j'arrive vers 13 h à Zoubiri, j'essaie de trouver un resto. Je rêve toujours de mon spaghetti que je n'ai pas eu hier. Et puis pour des efforts comme on fait des féculents, c'est l'idéal. Puis on verra si je continue sur un ou deux villages. Que, honnêtement, là maintenant, comme ça tout de suite, je ne sais pas. Ici, j'aspire à une chose, c'est trouver un village et pouvoir me payer un coca parce que j'ai soif. Et un coca, ça booste aussi l'énergie. Je ne suis pas un habitué de boire du coca, mais là, coca, café, ça c'est mon péché mignon, mais voilà. Et voilà, je m'étonne moi-même de mon énergie qui me pousse,
de mon envie d'arriver au bout. Ce qui m'étonne aussi, je m'attendais à avoir un flot d'émotions comme beaucoup ont déjà partagé en vidéo. Voilà, de se retrouver nulle part, loin des siens, etc. Je pense que je suis tellement dans le chemin déjà, et tellement dans l'effort que bah, ça sortira peut-être plus loin, et va-t-en savoir, peut-être du côté de Compostelle, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, et ça va rassurer toute ma famille, surtout mes enfants et mes petits-enfants, c'est que physiquement, mentalement, je me sens hyper bien. J'ai beaucoup de chance d'avoir du bon temps, de ne pas avoir de pluie. Il y a madame qui est en train de m'annoncer des 16 km. Enfin voilà, donc je vous reprends plus tard. Ciao, à plus. Perdu comme hier, et puis là on est sur la grande route, il doit rester 2 ou 3 km. Là où je compte arriver à midi, ben, il est déjà presque 2 heures, donc voilà. Là normalement il reste 2 ou 3 km. J'avais dans l'espoir de pouvoir refaire encore 5 ou 10 km après, mais ce sera pas possible. Donc on va arriver, on va chercher une auberge. Et puis on va chercher à manger aussi. Il fait bon. Mais c'est long. Allez, à plus. Bien voilà, il est presque 16h, je suis douché, je suis installé dans le gîte. Zoubiri, c'est vraiment un petit village de rien du tout. Je ne sais même pas si j'ai trouvé à bouffer tout ce soir. Déjà que j'ai pas mangé ce midi. Alors on est à, si vous arrivez à lire, 21 km de Pampelune. On va résumer cette journée, voilà. 25 km au lieu des 21 prévus. Donc, il n'y a pas de chou. Ici, je suis dans une auberge. J'ai une chambre de 4 mètres sur 4. Et on est 12 à dormir dans la chambre. Quoi. Ça va pas être je vais faire moins de bruit, et voilà. Donc j'aurais voulu faire un peu plus, aller un peu plus loin, mais voilà, je suis à 21 km de Pampelune, donc c'est très bien. Je suis en plus dans une auberge qui est sur le chemin pour partir demain, donc ce sera un peu moins compliqué pour moi. Par contre, je vous dis, c'est bon, d'accord, c'est 15 € quoi. Mais voilà, il y a une douche pour les hommes, une douche pour les femmes, les toilettes c'est la même chose. Il y a une espèce de petit réfectoire, mais si t'as rien à faire à bouffer, ça sert pas à grand chose. Voilà, je commence la marche, ça va, il n'y a pas de souci. Au plus on va aller dans le plat, au mieux ça va aller. Mais là, les épaules morflent un peu. Mais pour le reste, allez.
Et je suis quand même content de ce que j'ai fait en 2 jours et même en 3 avec le transfert de la maison jusque Saint-Jean-Pied-de-Port. Demain est un autre jour, demain est une autre aventure. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vais essayer de me trouver un truc avec T quand même. Allez, ciao, à demain.